Bonjour, je me présente Barbara Carillon, psychomotricienne de formation. Je suis lauréate du prix Master 2 primé par la Fondation Médéric Alzheimer, que je remercie. J'ai été primée sur une étude que j'ai menée dans le cadre de mon Master 2 expertise en gérontologie sur un projet que j'ai développé, à savoir la thérapie assistée par le poney dans l'accompagnement de la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de la maladie de maladie apparentée. Cette étude a été menée sur la problématique suivante, à savoir quels sont les bénéfices de cette nouvelle thérapie, qui est l'équithérapie, sur le comportement des personnes ayant la maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée en EHPAD. Et pour mes résultats, j'ai utilisé deux critères de mesure, à savoir l'apathie et l'anxiété, qui sont des symptômes comportementaux prédominants dans la maladie. Donc, c'est une étude exploratoire qui a été menée sur 4 mois et qui a montré les premiers résultats assez significatifs, notamment lors de l'interaction entre le résident et l'animal, où on a pu observer au niveau scientifique un engagement très positif dans la relation des personnes, notamment apathiques et aussi anxieuses au contact de l'animal. C'est une première étape dans le domaine de la recherche. Donc, l'idée, c'est quand même de pouvoir approfondir sur ce sujet. Donc, c'est pour cela que j'ai candidaté pour ce prix, pour pouvoir d'une part continuer des travaux de recherche sur cette thématique et d'autres thématiques innovantes pour toujours optimiser la qualité de vie et la prise en charge des personnes âgées en général. Et également aussi de promouvoir le métier de psychomotricien, parce que c'est vrai que c'est une nouvelle approche qui est de plus en plus reconnue en gérontologie et qui est riche de sens dans sa pratique et qui demande à être connue et reconnue. Je vous remercie.